Bonjour à toutes et tous, et bah bienvenue pour une petite vidéo sur Mortal Kombat 10 qui vient de sortir. On est sur PC, hein, comme d'habitude. On va aller très très vite parce que j'ai envie de vous montrer surtout les combats. On va pas trop s'attarder sur les menus et tout ça. Vite fait, bon, du 1 joueur, du 2 joueur, du en ligne, les factions, on va aller voir ça tout de suite. Et la crypte pour débloquer des choses. Tout de suite, la crypte, je tiens à le dire. Vous débloquez avec de l'argent, de la monnaie que vous gagnez dans le jeu. Hein. C'est des pièces. Alors peut-être qu'on peut en acheter. J'ai pas regardé dans la boutique ouverte. Je sais qu'on peut acheter Goro, mais peut-être. Peut-être qu'on peut acheter de la monnaie du jeu contre des fausses pièces, enfin de la monnaie du jeu face contre des euros, des fausses pièces. Mais en tout cas, vous pouvez tout débloquer juste en jouant, hein, que ce soit clair, il n'y a pas de micro-paiement ou quoi que ce soit. Donc, on va aller tout de suite voir la guerre des factions, qui est l'une des grosses particularités quand vous lancez le jeu, on vous demande de choisir une faction. Moi, je suis chez les Lin Kuei, ça tombe bien, on est premier. Dans 2 jours, 18h et 13 minutes, la guerre prendra fin. Et les gagnants auront un bonus. Il y a des défis à faire pour faire des points d'XP de faction, les XPF. Moi j'en ai fait qu'un. Hein. Pour le moment, c'est pas beaucoup de temps que je joue. Et donc après, vous allez voir, il y a boss d'invasion, tour de guerre. Ça, on n'a pas pour le moment parce que pour le moment, le jeu vient juste de sortir. Et donc, il n'y a pas eu de fin de première guerre. C'est dans 2 jours, 18h ou je sais plus quoi. Donc voilà, ça c'est la première particularité, les factions. On va, les tours vivantes, je vais vous emmener voir ça après, on va dans le menu un joueur. Donc le mode histoire, un mode histoire qui est très cool, un mode histoire avec une très bonne VF. Moi, bien meilleur que MK9, hein, pour ceux qui se souviennent. Ça fait super plaisir quand même. L'entraînement, c'est du training, vous pouvez vous entraîner aux fatalités. Vous pouvez vous entraîner aussi sur les combos, enfin du classique. Très classique, hein, mais qui fait le boulot. Peut-être un peu succinct l'entraînement au combo. Après, à vous de voir pour vous perfectionner par vous-même. C'est un petit peu. Il est moins complet, je trouve, que dans MK9. Ça, c'est clair. MK9, c'est des fois même trop long. Testez votre chance, comme ils le disent, combattez contre l'IA avec des modificateurs pardon, de gameplay aléatoires. Donc ça va être par exemple la caméra qui fait comme si vous étiez sur un bateau qui tangue, un sol magnétique qui vous met au sol, vous avez 15 secondes pour faire le plus de dégâts parce qu'au bout de 15 secondes c'est mort subite, etc. Vous voyez le genre de combat que c'est, combat unique c'est ce qu'on va aller faire, c'est des combats tout simples. Et on va aller voir les tours, donc tours traditionnels. Je vais vite, hein, je vais vite, parce que je... Voilà, vraiment envie de vous montrer les combats plus que les menus. Tour classique, hein, on connaît ça avec le boss tout en haut. Ça, rien de particulier. Testez votre chance, c'est donc des combats aléatoires avec des modificateurs aléatoires. Testez votre force, c'est le test your might, là où on appuie comme un porc pour détruire des trucs de plus en plus durs. Une tour sans fin, pour ceux qui aiment faire des combats à la chaîne. Et une tour en mode survival. Classique, mais efficace. Les tours vivantes. Alors là, ce sont des tours, vous allez voir, timé. Donc vous avez une tour horaire, celle-là termine dans 10 minutes. Vous voyez aussi qu'il y a un dragon vert qui passe. Et en fait, quand vous arrivez à l'étage via le dragon, il y a un bonus de pièces à gagner. En plus, justement, la monnaie du jeu pour débloquer encore plus de choses. Ça va être genre faire 4 coups spéciaux durant un round de ce combat-là. Voilà, bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça n'empêche pas de terminer la tour. Et une tour quotidienne, donc toutes les 24 heures, et une tour ultime. Bien sûr, les tours sont... Il y a de plus en plus d'adversaires, ils sont pas forcément... facile, mais ça permet voilà d'avoir des trucs à faire comme ça qui donnent des bonus, qui donnent de l'XP de faction aussi. Donc voilà, si vous voulez participer à l'effort de guerre des factions, c'est un bon moyen. Et défi de tour, c'est défier vos amis de battre votre meilleur score dans une tour générée aléatoirement. Donc ça c'est pas mal quand vous avez en duo avec vos potes, notamment sur Steam, ça peut être cool. Enfin sur console aussi. Hein, mais bon là je suis sur PC, donc je pense à Steam. On va aller voir les combats uniques, ça me permet de voir le roster. Le roster avec donc du scorpion, très connu, de la Chitana, très connue mais très belle, du Kenshi, connu aussi, date de MK8 je crois, Sonya Blade. Alors faut savoir que ça se passe 25 années après MK9, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Shao Kahn, c'est pour ça que certains persos ont pris de la bouteille, hein, Jax, bien connu aussi, Kung Lao avec sa barbichette grisonnante, Shinnok, donc pas débloqué parce que j'ai pas fini l'histoire. Kano, du Johnny Cage, hein, qui a pris aussi de... qui a pris de l'âge, hein. Aaron Black, un nouveau, un cowboy très classe. Liu Kang, Ermac,
le grand méchant, si je puis dire, Kotal Kahn, hein, qui fait très aztèque, mais qui est donc bah, la famille des Kahn, comme Shao Kahn. Ce bon vieux Reptile, bien dégueulasse. Ferrator, de nouveau. Le petit et le gros, là, ils sont tout bizarres. Devora, qui est particulière avec ses insectes. Raiden, hein, on fait pas un Mortal Kombat sans Raiden. Quan Chi, pareil qu'on connaît depuis Deadly Alliance, qui est donc celui qui a ramené à la vie Scorpion, pour la petite histoire. Goro, qu'il faut acheter. Alors, sachant qu'il y aura d'autres, il y a un pass à 30 boules, qui vous permet d'acheter le pack des combattants avec notamment Jason, le meurtrier des films Jason, et Predator, qui arriveront plus tard en fait. Et il y a d'autres persos. Kung Jin, un petit nouveau, un archer. Qui est tout droit sorti de Mulan, je trouve. Jackie Briggs, qui est la fille de Jax. Cassie Cage, qui est la fille de Sonya et de Johnny Cage, qui est très classe. Takeda, que j'aime beaucoup, avec ses armes. Du classique, hein, Melina. Hop, et Sub-Zero. Voilà, donc on a un roster avec du vieux, avec du nouveau, et ça c'est cool. Et on va prendre tout de suite du nouveau. On va aller partir avec Cassie Cage, que j'aime beaucoup. Et là, on retrouve trois styles de combat. Alors, moi, opération spéciale, obtenez diverses frappes aériennes et classe américaine. Hollywood, obtenez l'attaque par balle akimbo aérien et casse-noisette. Et bagarreuse, obtenez élimination, pardon, projection aérienne puissante et brise courbette. Donc, on a trois styles de combat différents. Trois styles, ça rappelle aussi, je crois que c'était en Deadly Alliance qu'il y avait ça. C'est pas mal parce qu'il y a pas mal de coups quand même qui changent et ça dynamise bien le gameplay. Donc on va prendre KC et on va la mettre face à qui? On va la mettre face à un mec que vous puissiez voir l'éclat de couilles parce que c'est un truc qui m'éclate moi justement. Allez, contre Kenshi. Pareil, oui. Kenjutsu, sage et possédé. On va le mettre sage. S'il y a quelques lags dans les voix, dans les loadings et tout, vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai installé le jeu sur un DD externe et que je fais la saisie en même temps. Et bon, voilà, il aime pas trop, j'ai plus de place sur les SSD. Hein. Il fait quand même 30 gigas le bazar. T'oserais frapper une fille? Mais on fait que s'entraîner. J'aime les gens qui comprennent mon humour. Donc, vous avez vu la petite pick-up line qui se balance à chaque fois, les petites punchlines là. Elles sont raccord avec ce que disent l'autre. C'est pas des phrases aléatoires. J'aime le pain. Oui, tu vas mourir. C'est pas un truc comme ça quoi. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'il y a vraiment une discussion. Et si vous mettez par exemple Casey face à Johnny Cage, face à son père, eh ben le discours va être différent quoi. Donc ça, c'est assez cool. Vous voyez aussi qu'il y a des trucs qui passent des fois en surbrillance derrière moi. C'est parce que je peux. Hop, utilisez le décor comme dans Injustice God Manga si vous avez fait le jeu avec les super héros. Voilà, le décor est interactif et ça c'est plutôt cool. Et là j'en prends plein la gueule. Et toi mon gars, tu commences à me saouler. Un petit coup de gueule. Alors lui il va prendre cher, on va voir les couilles. Là ça va faire mal, attention. Oh, ça fait mal ça. Allez tiens, prends. Et tiens, ça c'est cadeau. Il est bien gore. Hein. En termes de gameplay, autrement, on se retrouve donc sur du MK, donc c'est une certaine lourdeur, si je puis dire. Mais c'est un peu plus arcade, hein. Le petit ralentissement, encore une fois, vous inquiétez pas, c'est saisie plus des dégâts externes, hein. Parce que le jeu est très très fluide, très très beau, y a pas de souci. J'ai tout mis à fond en plus là, moi, donc pour une saisie, c'est pas l'idéal, mais bon. Vas-y, je peux faire quoi avec la vieille? Tiens, la vieille! Allez, dégage la vieille! Ah, voilà, pas mal de trucs comme ça. Alors, je vais essayer de vous faire une. Allez. Putain, pourquoi je peux pas faire la. Bon, il faut être à une distance précise et maintenir des touches, et comme d'hab, c'est. Bon, il y a un mode facile, mais pareil, il faut être à une distance. Bien précise pour les sortir et c'est. Bon, le petit finish est classe quand même. Hein. Mais là, j'ai pas réussi. J'y arrive pas tout le temps en fait. Donc, on gagne aussi de l'XP. Hein. Donc, d'XP, vous voyez, en bas à droite, la petite pièce jaune avec 4821, c'est la monnaie du jeu. On va prendre un nouveau combattant, puis on va se fight encore un petit peu quand même. Que vous voyez d'autres persos. Bon, je vais prendre Kitana parce que j'aime beaucoup. Kitana. Pareil, hein, Kitana. Alors, Kitana a un style qui est génial, mélancolique. Et on a les armes de Jade, le bâton et le glaive. Ça, c'est assez cool. Et on va prendre qui face à nous? On va prendre quand même quelqu'un de nouveau. On va prendre Devorah. Hop, tac, un aléatoire.
Donc si vous aimez Mortal Kombat, c'est du bon, c'est du très bon. Ça apporte un peu de nouveauté dans le gameplay, on retrouve d'anciennes choses. Mais c'est très très plaisant. En tout cas, moi je m'amuse beaucoup. Et on sort vite les coups. On retrouve toujours ces coups à coups de droite plus bas, etc. etc. Abandonne, Déborah. La princesse serait inquiète. Voilà, vraiment elle se parle. C'est cool parce qu'elle se parle vraiment quoi. Donc ouais, les coups c'est du classique MK avec la balayette qu'elle vient de me faire, le super point que j'essaie de lui faire là. La petite chope, tiens mange. Il est très bien utilisé sur PC en plus, ça fait plaisir. Ah il est pas mais... PU il est véloce aujourd'hui hein. Hop. Vous voyez, j'ai rebondi sur le truc du pont en fait. Ah tu fais chier. Je suis concentré dans mon combat. Tiens, faire un petit coup. Ah voilà quand même. Il y a pour le moment un seul costume alternatif qui se débloque dans la crypte justement. Donc faut trouver les bons tombeaux comme d'hab à ouvrir, etc. contre les sous. Et les tombeaux timés aussi qui apparaissent. Allez tiens le X-ray. Ça va faire mal. Tiens, on en rajoute. Voilà, faut que ça rentre bien. Et je te refais le nez au passage. C'est bien glauque hein, ça. Ah même sous. Voilà. Là, vous voyez, je fais RB, hop, voilà, je me propulse. Ah, mais merde, elle m'a balancé son vieux jus dégueulasse. Merde, je fonce dedans. Moi. Là, je peux envoyer la caisse pendant. Merde, tant pis, loupé. Bon, allez, hop. Je peux pas faire une. J'arrive pas. Eh, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'arrive pas à faire de fatalité là, je suis deg. J'ai fait un succès en plus, bon sang. Ah, je voulais vous faire une fatalité, elles sont tellement glauques. J'aurais bien aimé vous faire celle, le selfie de Cassie Cage là. Pourquoi j'y arrive pas? Je vais reprendre Cassie, on va mettre quelqu'un d'autre contre moi. Un autre perso qu'on n'a pas vu. On va prendre Aaron Black. Voilà. Allez, aléatoire. Encore? Oh là là, je suis pas de bol sur les arènes. Toujours sur les mêmes. Pareil, hein, plein d'artwork à prendre. On commencera quand je serai prêt. Va pas falloir trop tarder. Ouais. De pistolero, hein, donc. Ouais, il y a des artworks, des musiques, des concept art à débloquer. Enfin bref, il y a de quoi faire. La crypte est énorme. Au moins aussi grosse que celle de MK9. Pas de bol mec. Ah ouais, je peux lui faire un brise-coup aussi sans passer par le X-ray. Oh, ah putain. Oh la vache. Oh putain, oh le salaud. Tiens, une caisse, merde. Merde, je voulais lui faire la chope, il m'a contré. Le CPU est pas mal hein, il est pas mal véloce, tiens. Ça fait mal hein. Je vérifie sur la pause normalement. Pourquoi j'ai pas les fatalités Je comprends pas. Je comprends pas d'habitude, il me met les fatalités liste des coups. Combo, coups spéciaux. Ah d'accord, je viens de... les gars, vous voyez, je viens de comprendre un truc. Je vous parlais en bas à droite de le truc de la monnaie là. Vous voyez, au-dessus, le truc vert, ça c'est pour passer un combat. Genre sur une tour, vous avez pas envie de faire un combat, tac, vous utilisez ce truc, j'en ai 4. Et le truc rouge, c'est pour faire les fatalités facilement. Et j'ai grillé toutes les façons de faire facilement, c'est appuyer sur deux boutons. C'est pour ça que j'arrivais pas à le faire. Ok, j'ai compris. Ah la vache, ah, bah, on peut voir des trucs là. Ah, vous avez vu, j'ai des faction kills en bas. La revanche de Smoke. Putain. D'accord. Et donc vous voyez toutes
les trucs que j'ai pas débloqués. C'est-à-dire selfie, je pouvais la faire tout à l'heure, mais en facile. Et vu que je l'ai pas débloqué encore dans la crypte, je sais pas comment on l'a fait. Alors par contre, putain, les têtes d'œuf, c'est quoi? Ah, je suis de quel côté? Donc c'est arrière, bas, arrière, avant, X. Oh la vache, ça va être dur. Hein. Merde, je vais lui faire lui casse-noisette, lui, j'ai loupé. Il a bloqué mon X-ray. Par contre, faut que je fasse gaffe parce que lui, il l'a. Ah, il a fait un breaker. Il y a toujours le breaker, hein. Il y a toujours l'enhancer pour booster les attaques quand on remplit une jauge. Le breaker qu'il a fait, qui peut casser un combo quand on a deux jauges et trois jauges en bas, c'est le X-Ray. Oh, joli. Oh, joli, joli, joli. Oh putain. Dis donc, hé, tu te calmes, Pépère? Comment ça me saouler, toi? Donc, on avait dit. Non, non, moi j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à faire la fatality, je suis désolé, on ne verra peut-être pas. Remarque, c'était tellement gore que vous pouvez toutes les trouver hein, sur internet, hein, les fatality. Elles sont toutes dispo. Bon, je trouve que c'est plus rigolo de les découvrir soi-même, hein, mais bon. Je sais pas quand est-ce que je peux avoir d'autres trucs de fatality. Peut-être dans les coffres de la crypte. Qui que je vais prendre? On va faire un petit dernier combat, allez. Allez, on va faire un petit coup de scorpion. En ninjutsu, incendiaire, pyromane infernal. Non, je vais le mettre en ninjutsu, j'aime bien que c'est l'âme. Allez, le classique. Hein. Versus sub. Oh non, allez, je vous mets un nouveau quand même. On va mettre le gros. Nouveau gros. Allez, une autre arène, s'il vous plaît. Voilà, là, une autre arène, chouette. Ce sera pas fait, parfait pour finir. Donc en tout cas bonne pioche que ce MK10. J'ai vu Gameblock par exemple qui critiquait le trop plein de X-Ray. Ouais mais non, le X-Ray, il faut quand même monter la jauge à 3. Bon, ça fait partie du jeu. Ensemble, Ferator invincible. Je diviserai donc pour mieux. Allez, c'est parti. Tiens, un cadeau. Con ouais. Là, hop, je m'amuse à rebondir. Bon, hop, graphiquement aussi, vous avez vu qu'il est super beau. Ah! Là, voilà, lui, il l'a utilisé pour faire un énorme. Il a amélioré une de ses attaques pour qu'elle soit plus puissante. Attends, je vais me faire une chope, mon gars. Ah, il a réussi à contrer ma chope après le commir. Allez, un petit extrait. Oh, oh la mâchoire. Ah, c'est glauque. Oh pff. Ah c'est bien glauque, c'est bien glauque. Je vais regarder, tiens, une fatalité vite fait quand même. Si je peux la faire, on sait jamais. Elle a l'air moins dure. Hein. Arrêt imminent, tac. Par rapport à où je suis là. Je suis de ce côté-là, donc c'est bas, arrière, avant, Y. Ok. On va essayer, écoutez. Hein. Et normalement, si je me fais un, c'est à distance d'un saut en fait quand on se met au niveau du téléphone. Allez. Je vais pas faire trop de coups là en plus en mode ninjutsu à part le crochet là. Je sais pas faire les autres trucs. Il a plus le truc du feu. Par contre, ouais, il a plus d'épée. Vu qu'il est en mode lame. Oh pff. On monte dessus. Oh putain. Oh. On se calme hein. Oh. Come here. Tiens, petit chop. On va enfin en donner du forme. Bon alors, on a dit. Yes. Allez. Pour le finish, regardez-moi ça. C'est bien glauque. Oh. Attention. Ah, je vous avais dit hein, c'est dégueulasse. Ah c'est ignoble. Ah c'est dégueu. Allez, c'est sur cette horreur nous qu'on on se quitte. En tout cas, très bonne pioche. Ouais, j'ai level up en plus. Très bonne pioche si vous avez envie d'un bon jeu de combat bien bourrin, mais aussi technique. Hein. Il n'y a pas que du bourrin. Maîtriser les combos et tout. Sur le online, il y a déjà des joueurs qui cartonnent. Et même si vous voulez faire les trucs les plus durs, vous allez en chier. Parce que c'est vraiment, vraiment pas simple. Mais c'est un très, très, très bon jeu. Pour les amateurs du genre, encore une fois. Allez, à la prochaine. Ciao.